Bienvenue en Auvergne, une semaine avant les France Masters. Vous seriez venu à la Croix-Morand, vous auriez vu un paysage comme ça. Mais cette semaine, la montagne a décidé de nous rappeler que c'était elle qui décidait. Ah oui, ça fait du contraste. Mais pas de quoi démoraliser les organisateurs. S'adapter, ils savent faire. Alors le départ prévu en bas de Caussade va être déplacé au sommet du domaine. Je ferai même le départ ici, ouais. Là, c'est plat, on peut mettre du barnum, ça fait quelque chose de propre. Les gars de Caussade ont des plats en tête, alors explication avant d'aller choisir. Il faut faire avec les contraintes du terrain, auxquelles s'ajoutent celles des machines. Et il peut ressortir au-dessus avec la dameuse ou pas, par contre, de ce côté? Il faut ensuite enneiger les points noirs pour les transformer en points blancs et poser des filets pour que personne ne s'envole. Ah bah eux, ils ont trouvé une brèche. Fin de la journée, direction le comité de course. Pendant ce temps-là, les gars de Caussade vont attaquer leur travail nocturne. Et oui, parce que la nuit, c'est pas fini. Au petit matin, tout est prêt, il n'y a plus qu'à découvrir le tracé sur les cartes. Et pendant ce temps-là sur le terrain, toujours pas de répit. Ouais, on met le maximum, tout ce qui est là, c'est à portée. Hein. Les panneaux aussi. Ouais, je veux bien le panneau accueil coureur. Donc on peut se remettre sur la tente, on met les bords. En même temps, sur le tracé, eh ben, ça trace. Les conditions du jour ne sont pas faciles, alors balisage serré. Ça donne quelques-uns, là, ce stock. Vas-y. Toi. Alors, t'y arrives ou quoi? Sur la ligne, les coureurs s'activent. Les plus légers sont bons pour mettre des cailloux dans les poches pour pas s'envoler. Allez. Un peu de sérieux, il y a un titre de champion de France à la clé. C'est parti pour les 50 concurrents de ce 10 km classique. Dès le 3ème kilomètre, Bedé Michael se détache, suivi de près par Mathias Laroche. Michael est parti en skate, ça pousse fort sur les bâtons. Derrière Laroche se fait rattraper par Duchamp, puis momentanément doublé. Devant, c'est toujours Bedé qui mène le rythme. Dans les bosses, il y en a un qui doit être impatient que ça glisse. On s'approche du dernier kilomètre, la bataille va être rude. Un dernier virage serré puis un long faux plat, c'est tout en force que cela va se terminer. Dans les tout derniers mètres, Brandon Michael passe devant. En troisième position, c'est Mathias Laroche qui complète le podium. Dimanche matin, nous sommes à la stèle et c'est la fête à la grenouille. 80 participants tout de même sur 20 km skate. Au deuxième kilomètre, un groupe de 7 s'est détaché, puis après des chutes dans la descente, les trois premiers ont fait le trou au bouclage, kilomètre 3. Première montée sur les plaines brûlées, Jean-François Duchamp sort en tête, juste devant Michael Brandon. Quelques secondes derrière, 4 hommes sont en chasse. Brandon reprend la tête dans la descente, puis passe en tête au 11e kilomètre lors du deuxième bouclage. Derrière, Jean-Pierre Bedez est 3e. Allez, à 5 secondes, là. Allez, accroche-toi. Kilomètre 15, Duchamp est seul devant, il ne sera plus rattrapé. Derrière, c'est Révois et Leclerc. Arrivé des dossards, 1, Duchamp, Jean-François, Hermanski d'orbite. 12 secondes derrière, c'est Benoît Revois qui franchit la ligne. Pour la troisième place, c'est un sprint que Vincent Leclerc remportera devant Jean-Pierre Bedez. Et chez les filles, Dame Tournade doit être la première féminine. J'ai failli y aller au deuxième, moi. C'est moi. Le dernier virage. Tout le monde est maintenant rentré au chaud, on peut enfin discuter tranquillement. C'est aussi l'occasion de découvrir les spécialités locales, ainsi que l'équipementier partenaire de l'épreuve, et de déguster l'énorme truffade. Alors oui, il y a eu des vainqueurs, il y en a qui sont venus pour jouer la course. Mais la plupart sont quand même venus pour le plaisir, pour voir les amis, passer un moment convivial, à l'image de Serge. Bon dernier des deux courses est bien escorté, il était évident qu'il irait au bout. Serge, 76 ans, est master depuis près d'un demi-siècle. Alors du mauvais temps, il en a mangé, et c'est pas ça qui l'empêchera de franchir la ligne.
Les anciens, vous nous montrez la route et on se rappellera du dernier mot de Serge qui nous a dit « Ces gamins, il y a des années, chacun je les ai portés sur des courses. Et aujourd'hui, c'est tous ensemble qu'ils me portent. »